Notre deuxième artiste à relever le défi de babysitter star incognito, c'est Lenny Kim. Le chanteur canadien de 17 ans est l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Repéré alors qu'il participe à une émission musicale de jeunes talents, il sort un premier album intitulé « Les Autres » avec des titres phares comme « YOLO » ou encore « Don't Stop ». Et la star, qui a aussi décroché plusieurs rôles au cinéma ou à la télévision, va devoir faire appel à tous ses talents de comédien pour piéger trois de ses admiratrices les plus ferventes. Hello. Salut Lenny, comment ça va? Ça va et toi? Mais bien. Mais oui, enchanté. Oh. Yes. Donc on va faire une petite transformation? Ouais. Il est 7h et notre équipe de stylisme dispose d'à peine 2 heures pour métamorphoser Lenny de la tête aux pieds. Pourquoi pas? Première étape, trouver avec lui le look qui correspond à son personnage, celui d'un étudiant garçon au pair venu du Canada. Deuxième étape, le maquillage. Lenny a les yeux marrons. Pour tromper ses fans, il va devoir porter des lentilles de couleur bleue. Voilà. Mais la métamorphose ne s'arrête pas là. Fausse cicatrice, postiche. Moi, je rase pas ça, tu vois. Modification des contours de la bouche, pose de perruque. Celui-là, je déteste pas. Oh, Samy! Samy dans Scooby-Doo, quoi. 2 heures plus tard, Lenny est devenu Benjamin, étudiant canadien au look un peu grunge. Parviendra-t-il à rester incognito auprès de 3 de ses plus grandes fans? Les filles, on va au tourniquet! Ouais! Voici Louise, Anelia et Andrea. Louise, 10 ans, est inséparable d'Anelia, 10 ans elle aussi, et de sa grande sœur, Andrea, 12 ans. C'est dans le Val d'Oise que ces 3 filles, pleines de vie, partagent la même passion pour la danse, une passion transmise par leur maman. On écoute derrière la porte, et dès qu'on peut, on débarque, et là, on danse avec elle. Ouais, voilà, nous, on adore. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. On aime bien s'incruster, essayer de faire les pas pour connaître leur choré. Ça, c'est vraiment des super moments à partager. Mère-fille, c'est super chouette. Et quand les filles dansent, c'est surtout sur les tubes de Lenny Kim. Chansons, chorégraphie, les 3 filles sont des fans inconditionnels de la star canadienne. Elles ont même eu la chance de l'approcher. Mon chanteur préféré, c'est Lenny Kim. Et avec Anelia, on a été le voir et Andrea, on a fait un autographe et un selfie. Elles sont fans, elles adorent. Pour nous traîner quand même à attendre 3 heures un autographe, ouais. C'est que franchement là, elles sont super fans. Marie, la maman de Louise, et Stéphanie, la mère d'Anelia et Andrea, se réjouissent déjà de l'énorme surprise qui attend les filles, persuadées de participer à un reportage sur les Jeux. Mais arrête de cacher, maman! Mais je cache. Quand elles vont découvrir qui est derrière le babysitter, nous, on en a déjà des frissons. Moi, j'avais des guilis dans le ventre. Avant d'avoir des guilis dans le ventre, il faut espérer que nos 3 fans ne reconnaissent pas d'emblée Lenny, alias Benjamin, car il a été impossible pour le chanteur de masquer son accent canadien. C'est tout d'abord auprès de Louise et Anelia qu'il sera babysitter, Andrea l'aîné ne rejoignant l'appartement que plus tard. À présent, toutes les caméras sont en place. Et à 2 pas de la maison, l'équipe de production est prête à donner le top départ à Lenny. Notre babysitter va entrer dans la maison. Attention, top départ. Qui est-ce? Mais qui est-ce dehors? Oh, bonjour, ça y est, il est là, on peut y aller. On va pouvoir y aller, enchanté. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Nice to meet you, bonjour. Merci parce que là, du coup, on avait notre réunion. Ouais. Yeah. Et là, on va être en retard, donc du coup, voilà. On va pouvoir entrer. Oui. Bonjour les enfants. Bonjour. Louise semble intriguée. L'accent du babysitter éveillerait-il déjà les soupçons? Ben. C'est Louise. Okay. Et ma fille, Amélia. Bonjour. Bonjour Amélia, bonjour Louise. Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous êtes américain? Oui, moi je viens du Canada, ouais. La chance. Yeah. Vous allez être sage, là. Ah ouais? Oui, de toute façon, on part pas longtemps. Il y a juste 2-3 règles à respecter. Oui. Donc, on passe pas par le balcon. Surtout qu'en plus, du coup, il y aura plus personne ici. Voilà. Et pas le balcon, on saute pas sur le canapé et tout ça, ok? Ouais, ouais. Par contre, enfin, cool, quoi. Enfin, elles sont sympas, donc... Ouais, elles sont gentilles, mais oui, je les vois, elles ont l'air super gentilles. Après, ça va aller. Ok, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Ça va, les filles? Ça va. Face à ses 2 fans, Lenny Kim va-t-il tenir son pari de rester incognito jusqu'au bout? Les mamans s'absentent comme prévu pour un rendez-vous. Les filles ignorent qu'elles vont assister depuis le carrelage à tout ce qui se passe sans en perdre une miette. Bon, vous avez envie de faire des trucs? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des jeux. Des jeux, ouais. Okay. Lenny fait connaissance avec les filles.
l'occasion de relever son tout premier défi. Léni, tu vas pouvoir tester le caractère des filles. Tu dois leur raconter la blague la plus nulle qu'elles aient jamais entendue. Est-ce que vous voulez entendre des blagues? Vous voulez entendre des blagues? Ouais. Vous voulez entendre des blagues? Ok. Vous connaissez la blague de la cravate? La cravate. Ah, la cravate. Vous savez c'est quoi une cravate? Bah oui. Yeah, ok. Vous connaissez la blague de la cravate? Mmh. Non. Elle est longue et elle est plate. Ça, tu vois, yeah, ok. Anélia est bon public. Louise, elle, a un caractère bien trempé. Léni l'a compris, la journée s'annonce très compliquée. C'est nul. Vous voulez qu'on joue à des jeux ensemble et tout? Ok. Ouais? Ok. Il faut que tu m'expliques comment ça fonctionne. Ok. Explique-moi comment ça fonctionne. Je sais pas comment expliquer, moi. Explique-moi. On a une carte chacun. Ok. Par exemple, là, elle voit pomme. Donc elle prend... Ah, il y a une pomme là et il y a une pomme là. Du coup, voilà. Si il y a une pomme donc là, elle prend sa carte et la pomme... La... Et tu dois dire ce que c'est. Donc elle la pose sur moi et elle doit dire à moi. Et maintenant, c'est à... Pour le moment, notre babysitter fait toujours illusion. Mais attention, Louise, très observatrice, est tout de même intriguée. Il y a danger. Je peux regarder? Non, non, je ne peux pas regarder. 1, 2, 3. Lune. C'est ça? Ouais. C'est aussi. Dragon. Ah. Bon, ben là, c'est pour moi. Léni, surprends les filles un peu plus. Ton défi, pousser des cris façon Michael Jackson à chaque fois que tu gagnes. 2, 3. Dragon. Un flocon. Yeah! 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 D'accord, ça va pas bien. On y va? Ouais. Ok, on y va. 2, 3. Fleur, fleur. Mignon. Got it. Come on. Come on. Regarde, on y a les mains. Y'a rien là-dedans. Ah oui, stop. Stop. Y'a un signe de stop, non? C'est pas un stop, c'est sans interdit. T'as perdu. Tiens, tu prends les cartes. Boum. Ok, ok. Lunettes. Ouais, bon, ça va. Pipi. Non, mais calme-toi, ça casse les oreilles. Amélie, elle a gonflé. J'ai une petite de rire. C'est trop bien, ce jeu. Ah. Ouh. Ok, tu veux qu'on joue, tu veux qu'on joue. Boum. Léni, des filles un peu plus osées, saute sur le canapé. Vas-y, vas-y, vas-y. On est prêts? 1, 2, 3. Éclair. Ma parole est éclair. Ma parole est sautée. Ah, je suis désolée. Pour Louise, clairement, ce babysitter est complètement fou. Et pas question pour elle de le laisser faire n'importe quoi. Tu vas te faire disputer. Moi, je fais toujours ça chez moi, du coup, ça fait quoi? 2, 3. Un canapé très sale, alors. Elle va rien lui laisser passer. Tu vas perdre. Non, je vais pas perdre. Allez, vas-y, on joue. T'es prête? 2, 3. Pomme. Tu vois? Tu t'appelles Benjamin. Je m'appelle Benjamin, mais tu peux me nommer Ben si tu veux. Hein. Ah non. C'est mon surnom. Non. C'est mon surnom. Bah oui, on s'amuse. 2, là. Mais j'aime 3. Pas Ben. Carotte. Encre et boum. Bah, t'as perdu. T'as toutes les cartes. Le caractère, quoi. Tu connais la blague, pourquoi les Mexicains mangeaient aux toilettes? Pourquoi les Mexicains mangeaient aux toilettes? Je sais pas, pourquoi parce ils mangent. Parce qu'ils aiment manger épicé. Et moi, j'ai une blague. Regarde leur tête, regarde. Mais grave. Regarde la tête de Louise. Pour mieux brouiller les pistes, Léni n'hésite pas à en rajouter. Parce que moi, j'ai épicé. Les filles hallucinent. Comment pourraient-elles imaginer que celui qui se roule par terre devant elles n'est autre que Léni Kim, leur idole préférée? Tu veux me faire visiter l'appartement? Jusqu'ici, notre babysitter tient parfaitement son rôle de jeune garçon au père un peu farfelu. Alors qu'ils souhaitent découvrir leur univers, Léni fait tout pour noyer le poisson, quitte à jouer les idiots. Et ça, c'est ta chambre? Ça, c'est votre chambre? Ça, c'est ma chambre. Non, mais c'est moi, sa chambre. Pas ici. C'est ma chambre. Elle habite pas ici. Ah, c'est vrai, c'est ton ami. Non. C'est ta sœur ou ton ami? Excuse-moi, je suis un peu confus là. Mais tu viens de le jurer il y a 2 secondes. Ah, c'est son ami. Elles vont vraiment se dire qu'il a un problème. Hein. Tu peux me faire découvrir ton univers un peu?
Qu'est-ce que t'as? C'est ma chambre. Mais oui, mais t'as des jouets, t'as des trucs. Il faut jouer là, c'est un reportage sur les jouets. C'est qui lui? C'est Lenny Kim. Et tu sais qu'il ressemble beaucoup à toi. Tu... Il y a une photo à côté. Mais ah, je te mais jure, oui. On dirait qu'il a ta voix. Il a ma voix. Ah là, c'est chaud. Hein. Aïe, aïe, aïe. Moi, je te dis, mais c'est lui. Tu veux savoir un truc? En avec plus, t'as l'accent de lui parce que quand tu m'as parlé, il avait la même voix que toi. Voilà, oui. Je... Aïe, toute la supercherie est à deux doigts de tomber à l'eau. Lenny fait face au pire cauchemar du babysitter incognito. Et les filles n'en démordent pas. Comment il va s'en sortir? Oh, le pauvre, je le prends. Oh là 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 là. Parce que c'est Louis qui lâche pas, hein. Mais écoutez, nous, au Canada, on a tous la même voix, le même accent, c'est pas grave, hein. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui me comparent à Lenny Kim, et moi, je trouve ça très flatteur. Les deux fans ont déjà rencontré leur idole, et la ressemblance de ce babysitter avec le vrai Lenny Kim est troublante. En plus, non. T'as ses mains. Comment va-t-il pouvoir se sortir de cette situation? Oh, le pauvre. Oh là 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 là, c'est compliqué là. Dans quelle galère on l'a embarqué? Oh là là. Monsieur, regarde, c'est lui. C'est lui tout craché, regarde. C'est toi. C'est toi. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh, je voudrais pas être à sa place. Oh, faut qu'il respire. C'est trop dur. Ça commence à être difficile, ils m'ont repéré. Ils m'ont repéré. C'est hyper difficile et je suis hyper stressée. Ok, on y retourne. Notre babysitter est en grand danger. Il faut retourner la situation. Et dans ce cas-là, la meilleure des solutions, c'est de faire diversion. Lenny, tu vas faire diversion et attirer l'attention des filles. Prends le vase qui est sur la table et jette-le par terre. Non. Oh zut! C'est pas bien. Je suis désolé, je faisais des haltères avec. Je suis vraiment désolé. Tu vas le repayer. Je suis vraiment désolé, je faisais des haltères avec et là je l'ai brisé. Oh non, zut! Des haltères! Bon, bah nous on te laisse ramasser, mais on va jouer. Ah non, mais là bah, il faut vous ramasser avec moi là. Vous pouvez pas... On t'a dit que tu faisais tout. Bah oui, hein. C'est pas de notre faute, hein. La tentative de diversion aurait-elle fonctionné? Les filles pensaient il y a peu avoir reconnu leur star préférée. À présent, elle croit avoir affaire à un babysitter énervant et maladroit. Oh, je vais perdre mon job. Et n'ont aucun scrupule à le laisser se débrouiller tout seul. Moi, j'ai fait ça, mais... Oh là là, regarde, mais c'est horrible, elle le laisse comme ça. Un babysitter, ça s'occupe aussi de la maison, hein. Elles reviennent même pas. Mais grave. Elle le laisse comme ça. Et venez pas m'aider, surtout, hein. Mais t'as dit que tu gérais tout, ouais, c'est ouais, pas notre faute. Non, mais alors là, qu'on me dise pas que les filles ressemblent à leur mère, hein. Ça, c'est pas possible. Oh, je suis nulle en babysitting, je suis désolée, Je suis vraiment nulle en babysitting, désolée. Mais allez lui donner un coup de main, les filles. C'est fou, ça. Anelia et Louise, agacées par le comportement de leur babysitter, font clairement bande à part. Lenny en profite pour nous livrer son ressenti. Là, les filles, je pense pas qu'elles m'aiment. Elles m'aiment pas du tout. Je commence à leur taper sur les nerfs. Mais Lenny va avoir une chance de recoller les morceaux. Pour cela, la production lui a fourni discrètement un vase identique à celui qu'il vient de briser. Le défi qu'il va devoir relever suffira-t-il à amadouer les deux filles? Lenny, pour te faire pardonner ta maladresse, tu vas faire croire aux filles que tu as le pouvoir de recoller les objets cassés. Laura, come on! Chut!
un truc, s'il te plaît. T'as mis de la terre partout. Mais t'as rien rangé. Je vais l'appeler. T'es prête? Oh, non, c'est moi qui dois répondre au téléphone. C'est moi qui est en charge, Louise. C'est ma mère. Allô, maman? Allô, chérie, t'as essayé de m'appeler? Oui, alors le babysitter, il vient de casser le vase. Là, maman, je vous adore. Il y a un vase de cassé. C'est pas grave, on ira en racheter un. D'accord. Par contre, j'espère que tu écoutes ce qu'il te dit, hein, le babysitter. Mais il fait que de chanter et de crier. Eh ben, c'est pas grave, il a sa personnalité. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont un peu différents. Allez, tu peux rapprocher. Je te fais des bisous, mon petit ange, à tout à l'heure. Bisous. Ça l'a fait redescendre d'un coup, hein. Grave. Ça a marché. Il était en phase de création, Louise. Mais les fleurs dans le vase. Moi, c'est Louise. Tu sais qu'il est trop petit. Pourquoi elle est trop petite? Elle n'est pas trop petite. Bah vas-y, remets-le. Avec mes pouvoirs magiques, moi, je vais pouvoir la remettre. Les filles semblent avoir oublié que ce babysitter maladroit n'est autre que Lenny Kim, leur idole préférée. Moi, je suis là pour vous aider, les filles. Mais vous, vous ne voulez pas m'aider. OK, vous savez quoi, les filles? On reprend de zéro, OK? OK. Moi, je suis partant pour qu'on reprenne de zéro ensemble. Alors, tu ranges. Together. Elle le lâche. T'as vu ça? OK, alors, si je range tout seul, est-ce que ça va vous faire plaisir et est-ce qu'on va être amis? Ouais, oui. On va être amis? Ouais. Oui. Promis? Mais promis. Tu ranges vraiment, tu mets pas ça dans un... Dis-moi promis. Ah, c'est bien. Promis, on est amis. Ah, voilà. Toi, t'es une bonne amie. Oh. Maintenant, on fait un jeu? Oui. Lenny invente un jeu loufoque et débrouille-toi pour faire sortir les filles par le balcon. Vous voulez qu'on aille jouer dehors? Ah non. Est-ce que vous connaissez le cola mayoke? Le cola mayoke? C'est un sport typiquement canadien. J'ai besoin de deux manches à blé. Est-ce que vous avez deux manches à blé? Deux blés. Mais ça va les casser, les balais. Ça va pas les casser, je te l'ai dit. C'est bon, tu ça? Tu vas voir, tu vas voir. Merci, Louise, merci beaucoup. Tu es adorable. Merci beaucoup. Il fait plus trop de soleil. Tu sais que je commence à bien t'aimer, toi. Alors... Et toi? Ouais. Comment on fait pour sortir? Mais c'est simple, ton jambe. Ton jambe? Et on avait dit pas passer ouais. Par le balcon. La maman ne le saura pas. Alors, si vous voulez être mon amie, vous devez venir. On n'a pas le droit. OK. Je vais passer de l'autre côté et moi, j'ai besoin de vous, OK? Pourquoi faire? Comme ça, je vais pouvoir vous descendre. Mais si on vous sait faire. OK. Ah, vous savez faire? Bah oui. Ah, alors tu es déjà passé par là, coquine. Mais quand je suis avec ma mère. Ah, mais je suis sûre que tu sais faire, justement. Allez, viens, viens, voilà. Elle y va? Voilà. Oh ah, la coquine. Allez, Violande. Eh ben, allez. Louise et Anélia désobéissent à leurs parents. Et voilà. Non, on n'avait pas dit non. Lenny aurait-il su enfin gagner leur confiance? Ce qu'il ignore, c'est qu'il va avoir affaire à une autre de ses plus grandes fans, Andrea, la grande sœur d'Anélia, justement de retour de son cours de danse. Alors, je vous explique comment ce jeu fonctionne. Tiens ça. Tiens ça. Tu vas le mettre sur ton visage. Mets ça sur ton visage. Moi? Bonjour. Je vais être bonjour. Physique. Comment ça va? C'est quoi ton nom? Enchantée. Enchantée, Andrea. Je suis la sœur. Tu es la sœur? OK. Alors, je vais avoir besoin de toi. OK. Je compte si tu balles. OK. Les filles, mettez vos masques. Okay. Je dois te guider pour que tu fasses un but dans l'équipe adverse et tu dois faire la même chose. OK? C'est parti pour le Colin Mayoke. Prête, allez, avance. Droite, ou... Allez, recule. Juste à droite, à gauche. Andrea se prête au drôle de jeu inventé par Lenny. Et visiblement, elle n'a rien remarqué. Entre les trois filles et le babysitter, une certaine complicité s'installe. Mais cela suffira-t-il à écarter tout soupçon? À la faveur d'une pause, Lenny en profite pour nous confier ses impressions. Je crois que je commence à regagner la confiance des filles un peu plus. Du coup, c'est stressant, mais ça va. Et puis là, je commence à être plus détendu, ça commence à être plus normal. Puis Andrea, en fait, je sais pas si elle sait en fait que c'est moi.
Je crois pas. Elle a pas l'air d'avoir cliqué. De leur côté, Louise et Anelia profitent d'être seules avec Andrea pour se confier sur cet étrange babysitter. Hey, t'as vu le babysitter? Il est trop bizarre. En plus, tout à l'heure, il a cassé. Ah ouais, ouais, tout à l'heure, non, il a cassé un vase. Il ressemble à quelqu'un. T'es d'accord? On dirait Lenny. Bah oui, ouais. Attends, on l'a mis à côté de son CD parce que je l'ai avec une photo. Oui. Il ressemble trop. Mais je t'assure. Vous avez tout détaillé, moi. Je te jure, il a cassé un vase. Je te jure. Il a tout mis dans, il a tout mis dans un sac poubelle. C'est et après, il l'a mis par terre et tourné autour du sac. Ensuite, il l'a ouvert et il y avait le vase. Et après, quand il a déchiré et tout. Et en plus. Mais s'il était cassé, pourquoi il était. Mais en plus, il dit c'est faire de la magie. Apparemment, il a le ton de la magie. Et les filles ne sont pas au bout de leur surprise. Alors. Et j'ai des vrais cadeaux pour vous qui viennent de mon pays. Il a coulé. Alors ça, ça s'appelle des attrapes brèves. Ah, c'est trop bon. Ah, elle adore, Louise. Moi aussi, les filles, elles adorent. C'est hyper cool. Ça, si tu fais des mauvais rêves... J'en ai deux. Mais c'est pas grave, vous avez une nouvelle voilà. Mais j'ai plus de place. Bah, toi, tu... Tiens, voilà, j'en ai un très prêt pour toi. Sans problème. Oh, il est trop beau. Bah, vous le voulez, il est pour vous. Voilà. Attends, je vais voir celui qui y a après. Ouais, moi, je est-ce que l'autre, il a du violet? Parce que s'il y a est-ce que l'autre, il a du bleu? Ah, je vous l'ai dit pas. Lenny Kim a su brouiller les pistes et les filles ne savent plus quoi penser de ce curieux babysitter. Tiens, voilà pour toi. Ça, c'est un attrape-rêve avec plaisir. Merci. Ça me fait plaisir, les filles. Alors, un attrape-rêve, les filles. Un attrape-rêve, c'est pour attraper les mauvais rêves. Exactement. Et c'est les Indiens qui les utilisaient. Moi, j'ai déjà fait plein de cauchemars. Et ça, la première fois que j'ai découvert un attrape-rêve, c'est ma grand-mère. Tu peux chanter une chanson, s'il te plaît? Oh là là, je chante pas très bien. Tu chantes Don't Stop de Lenny Kim. Don't stop living the me. Don't stop vive ta vie. Don't stop filer, te filer. Donc fais pas, je te suis. Vas-y, on va te faire écouter Don't Stop et mais tu mais je chantes. Connais pas assez bien les paroles, je sais même pas c'est quoi la chanson. Mais je vais te faire écouter. Bah la chanson c'est Don't Stop. Vas-y, fais-moi écouter. Vas-y, et tu vas voir, nous aussi on est à fond. Hein. Mais ouais. On connaît par cœur, enfin je connais par cœur. Montre-moi. Aïe, les filles n'en démordent pas. Lenny Kim est une fois de plus en danger. C'est le moment tant attendu pour lui de révéler à ses fans sa véritable identité. Je suis... Mais regarde, c'est la musique. Elle est bien, la musique. Tu veux qu'on danse? Vas-y, fais la danse qu'il y a sur le clip. Vas-y. Il y a un clip sur la chanson? Bah oui, les chansons, ils font un... En plus, clip. Il fait la même taille que toi. Je t'ai dit, les gens disent qu'on se ressemble. On est là. Montre-moi la chorégraphie. Montre-moi la chorégraphie. Vas-y. C'est quoi la chorégraphie? Lenny, il est temps pour Ben de laisser la place au véritable Lenny Kim. Venez, je peux m'asseoir entre vous? Je peux m'asseoir entre vous? Ouais. Ok. Il y a ta casquette? Tu vois, on avait raison d'appeler le temps. Tu vois, je t'avais dit qu'il avait mis un dentier. Ça va? Ouais, ça va. Yes, vous avez aimé? Ouais. Hein? Vous avez aimé? Enfin, vous savez, on est dans quelle émission alors? Babysitter, Star Incognito. Je vous ai piégé depuis le début. Bonjour. Excusez-moi. Je vous ai vu quand je suis rentrée. Ah là bonjour. Là. Quand je suis rentrée, je me souviens, je suis rentrée avec mon attitude et là, je vois votre mère qui est là, qui vous la porte et elle me regarde et elle fait « Mais c'est quoi ça ?» Alors, moi, j'ai une dernière surprise pour vous, si vous êtes d'accord. Ouais ? Ouais. Vous êtes d'accord ? Ok. Alors, si vous voulez, je peux vous faire un petit concert privé. Ouais. Vous êtes d'accord ? Nickel. Okay. Quand j'ai réalisé que Lenny Kim était dans le salon, j'étais tellement contente vu que je l'adore. C'est comme mon idole. Je l'écoute tout le temps. J'étais très heureuse. C'est hallucinant de voir une star qui habite au Canada dans un salon. C'est fou. C'est un peu comme si on rêvait alors que c'est la réalité.
Je sais pas comment expliquer. C'est ouf, quoi. Nos mères, ils nous ont fait une surprise de dingue, quoi. Nickel. Allez, viens là. Yes, viens là. Yeah, yeah, yeah. Cool. OK. Et comme promis, pour clore en beauté cette journée exceptionnelle, Lenny Kim a offert un concert à ses trois plus grandes fans, mais aussi à tous leurs amis. Je me suis à fond amusé, j'espère qu'elles se sont amusées aussi. Et puis ouais, c'était un vrai challenge, ouais. Je vois qu'elles sont super contentes et je crois pas du tout qu'elles s'attendaient à ça. Et puis voilà, alors j'espère que ça leur a fait plaisir. Et puis ouais, moi j'ai vraiment kiffé cette expérience, c'est super.